Excusez-moi. Vous plaît? Ah, désolé, je vous avais pas vu. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je viens chercher cette... ma voiture. Ben dites donc, vous êtes plutôt du genre patient, vous. Ça fait bien 2 ans que cette bagnole est là. On l'a fait tourner tous les mois. On a vérifié les pneus et la batterie, comme vous aviez demandé. Voilà. Elle est au 3e sous-sol, l'ascenseur de service. Allez, bonne journée, monsieur. Votre destination est à 6 km d'ici. Sortez du parking et prenez la première à droite. J'obtiendrai des lettres de l'adresse où se trouve Sean. C'est ma seule piste. Je ne peux pas la laisser passer. Je peux le faire. Pour sauver mon fils, je ferai n'importe quoi. À contresens sur l'autoroute, sur 8 km. Est-ce que je suis prêt à courir ce risque pour sauver mon fils? Si je meurs sur cette autoroute, je ne pourrai plus rien faire pour sauver Sean. Je dois le faire. Pour Sean. J'ai pas le choix. Come on!
C'est l'angoisse qui prévaut ici, alors qu'on est toujours sans nouvelles du petit Sean Mars, 10 ans, disparu hier alors qu'il jouait dans un parc. De source policière, il semble désormais acquis que c'est bien le tueur aux origami qui serait derrière cette nouvelle disparition. Si cette information venait à se confirmer, on sait qu'il laisse... Hey, salut ma jolie. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? 5 jours après leur enlèvement. Je voudrais une chambre. C'est donc le délai tout ce que vous voudrez, poupée. S'ils veulent retrouver l'enfant vivant. Remplissez le registre. Madison Page, 27 ans, célibataire. Et vous allez rester longtemps parmi nous, mademoiselle Page? Je sais pas encore. Chambre 201. C'est l'escalier à droite dans la cour, au dernier étage. Merci. Tout le plaisir a été pour moi. J'en doute pas. Monsieur? Est-ce que ça va? Je vais appeler une ambulance. Pas d'ambulance. Vous êtes gravement blessé, il vous faut un médecin. S'il vous plaît, aidez-moi juste à retourner dans ma chambre. C'est la 207. Vous avez la clé. Ah.
vous êtes dans un sale état, vous devriez voir un médecin. Je dois avoir une ou deux côtes cassées. Non, on n'en meurt pas. Mais ça fait un mal de chien. Vous saignez à la tête, ça a l'air profond. Antidouleur paracomol, administré en cas de forte douleur, ne pas dépasser un cachet par 24 heures. Tenez, prenez ça, ça devrait vous faire du bien. Un antidouleur, ça va vous soulager. Sur la boîte, ils disent d'en prendre un par 24 heures. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée de forcer la dose. Je n'ai pas le temps d'attendre. Sa plaie a besoin d'être désinfectée. Sa plaie a besoin d'être désinfectée. Je vais désinfecter votre plaie. Il est possible que ça pique un peu. Oh, pardon. Est-ce que ça va ? Voilà. Au moins, ça ne s'infectera pas. Merci. Si j'étais vous, j'éviterais de bouger pendant quelques jours. Je voudrais prendre une douche. Ok. Je vais vous aider. Je reste ici en attendant que vous ressortiez. Prévenez-moi si vous vous sentez mal. Vous devriez me parler. Comme ça, je saurai si vous tombez dans les pommes. C'est quoi, votre nom ? Madison. Vous logez aussi dans le motel ? Non, j'habite en ville. Je souffre d'insomnie chronique. Je n'arrive à dormir que dans les hôtels. Ne me demandez pas pourquoi. Alors, quand je suis trop épuisée, je viens passer une nuit ici. Et vous ? Je suis juste passage dans la région. Et à part soigner les inconnus, Madison, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis photographe. Je photographie des intérieurs design pour des magazines tendance. Et vous ? Je suis architecte. Merci d'être resté. Je crois que ça va aller maintenant. Bon. Ok, je vais y aller. Oh, au fait, vous ne m'avez pas dit votre nom. Ethan. Soyez prudent, Ethan.
première fois? Pardon? Que vous tuez quelqu'un. Ça fait toujours quelque chose la première fois. Après, on s'habitue. Je suis pas sûr de vouloir m'habituer à ça. C'est lui. Miroslav Korda? Ouais. Lieutenant Carter Blake, j'aimerais vous poser quelques questions. Restez pas là, il va nous échapper! Tiens le tueur aux origami.
m'aviez dit que si je me souvenais de quelque chose, je pouvais vous contacter. Je peux entrer ? Bien sûr. Je vous en prie, asseyez-vous. Voilà. Je me suis souvenue d'un détail. C'est peut-être pas important, mais le matin de la disparition de Johnny, une lettre est arrivée. Une lettre ? Quel genre de lettre ? Elle était adressée au père de Johnny. J'ignore ce qu'il y avait à l'intérieur, mais il l'a ouverte et il est parti. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Et vous pensez que cette lettre a un rapport avec la mort de Johnny, c'est ça ? Vous vous souvenez d'autre chose à propos de cette lettre ? En fait, je sais pas pourquoi, mais je l'ai gardée. Oh, rien de particulier. Sauf l'adresse. L'adresse ? Elle a été tapée à la machine à écrire. Ça peut être une piste, qui sait. Merci de votre aide, Lorraine. Je vous tiens au courant si ça mène quelque Attendez, part. Attendez, je peux pas rester à rien faire pendant que vous cherchez l'homme qui a tué mon fils. J'ai beaucoup réfléchi depuis votre visite. Je veux vous accompagner dans votre enquête. Ma réponse est non. Si vous refusez que je vous accompagne, je garde l'enveloppe. C'est donnant-donnant. Écoutez, une enquête comme celle-ci comporte des risques. Et j'ai pas le temps de jouer les gardes du corps. Combien d'indices tangibles avez-vous, Monsieur Shelby ? Cette enveloppe est votre seul lien avec le tueur. Je comprends. C'était une idée stupide. Désolée de vous avoir fait perdre votre temps. Attendez. Vous êtes vraiment une drôle de fille, Lorraine. Je dois l'avouer. Je suis juste une mère. Une mère qui veut retrouver celui qui a tué son fils. Alors, on est partenaires ? D'accord.
le type là-bas. Il finira jamais ce qu'il m'a dit sur toi. S'il a dit. Espèce d'enfoiré. Il va le regretter. Espèce d'enfoiré. Espèce de macaque avec ton costard pourri. Oh, oh, oh. Et tu vois pour un dur là, bah, je suis encore plus dur que toi moi. Et le gorille, c'est à toi que je cause, sale macaque. J'ai quoi sur ma mère? Non. Et c'est pas, même pas de me frapper, c'est minu ça. Tu sais qui je suis? Est-ce que tu le sais? Monsieur Kramer, c'est le meilleur moment. Mon nom est Scott Shelby, je suis détective privé. J'enquête sur l'affaire du tueur aux origamis. J'aurais aimé vous poser quelques questions. Je voudrais savoir ce qui s'est passé exactement avec le petit Joseph Brown. Dégagez, vous entendez? Foutez-moi le camp d'ici! Qu'est-ce que vous voulez? Un témoin a vu le petit Joseph Brown monter dans votre limousine. C'est la dernière fois qu'il a été vu. Je sais que vous avez été arrêté et interrogé par la police jusqu'à ce que votre père passe un petit coup de fil pour clore l'enquête. J'aimerais entendre votre version des faits. Le gosse était perdu. J'ai proposé de ramener chez lui en voiture. La police est arrivée, j'ai expliqué le malentendu et j'ai été relâché. Voilà toute l'histoire. Pas de quoi fouetter un chat, n'est-ce pas? Et j'ai comme l'impression que votre histoire tient pas debout. Alors arrêtez de me prendre pour un idiot et dites-moi quelque chose que je puisse croire. Eh bien, je suis le tueur aux origamis. J'ai monté mes victimes dans ma voiture. Je les noie dans une citerne d'eau de pluie. Puis je les abandonne dans un terrain vague, avec un origami dans la main et une orchidée sur la poitrine. Je fais ça parce que je m'ennuie, Monsieur Shelby. C'est un moyen ludique et créatif de me distraire. Est-ce que ça vous suffit? Vous en voulez encore? Notre entretien est terminé. Débarrassez-moi de ce clown! Dangereux. Vous savez qui est mon père? Il m'a câliné le petit doigt pour que vous ne vous réveilliez pas demain matin. C'est vous qui devriez avoir peur, Monsieur Shelby, pas moi.